Vendôme t'a fait venir jusqu'ici, Nadine. Je te confirme qu'elle a toute une armée sous ses ordres. Tu crois qu'ils ont trouvé le trésor? Ah, j'espère que non. Pour le bien de Sam. T'as vu? Il y a quelque chose là. C'est adressé à Richard Root. Signé Adam Baldridge. Les deux découvertes. Rafraîchis. Il y a des caisses de ravitaillement là-haut. Super, je vais nous en faire descendre une. Tu veux que je te serve d'appât, c'est ça? N'importe quoi, c'était par pure galanterie. Ah, ouais, ben je trouve que tu me taquines beaucoup en ce moment. Exagère. Je suis à nouveau tout mouillé. Je suis fatigué, j'ai mal partout, j'ai un peu faim. Je mangerai bien un morceau.
À part ça, tout va bien. Ouais. Ouh, ok, allez. On continue. Oh. C'est plus bien à travers ce présent. Juste derrière toi. Tu crois que ce sont les colons qui ont noyé cet endroit? En tout cas, ils avaient une bonne raison de le faire. Mais tu crois pas que ce soit eux? Ben, je trouve quand même ça bizarre que toutes ces maisons soient sous l'eau, sauf une. Celle d'Avril. Exactement. Ça alors. Je parie que ça vient du Gunsway. Qu'est-ce que c'est ? La vache ! Il y a toute sa majesté des mouches là-dedans. Tu m'étonnes. Espérons qu'on n'arrive pas trop tard. On voit que ces canons n'étaient pas là à l'origine. Ouais, il a dû improviser pour se défendre. Il s'attendait sûrement pas à se battre les uns contre les autres. Non, c'est sûr. Pas cette piscine. C'est encore l'heure de la baignade, on dirait. Garde, Nate. Par ici, on dirait une sortie. Wow, wow. Le courant est drôlement fort. Ouais.
Beau travail. Trop pour faire la courte échelle. Le courant est trop fort. Va falloir traverser par un autre endroit. Super, merci. J'y suis. Y'a pas de poids. Grâce à toi, tu fais un super contrepoids. Je veux dire que... Ça va, t'inquiète pas, je vais choisir de prendre ça comme un compliment. T'as raison, c'en était un. J'ai bu la tasse. J'ai réussi. Je vais te trouver un moyen de monter. Ah, c'est trop dur. Je m'en sortirai pas tout seul. Si tu le dis. Ça devrait marcher. Ok, fais gaffe à toi. Dégageons ça du passage. Ouais. Ok.
regarde. Le sceau de Thomas Tew. On est donc chez Thomas Tew. Commandant, second. Il montait dans la hiérarchie des pirates. Eh ben, dis donc. On dirait qu'on a trouvé la fête. On dirait qu'on arrive un peu tard. Hé, hey, Nate. Regarde ça. Encore un autre sceau. C'est pas vrai. Quoi ? C'est eux. Ce sont tous les capitaines pirates qui ont fondé Libertalia. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je suis pas un expert scientifique, mais d'après ce que je vois, je dirais... du poison. Apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Est-ce que c'est... un suicide collectif entre riches pirates ? Un rituel ? Ça m'étonnerait. C'est pas tellement le genre. Au nom de Lord Avery, je vous invite dans mon manoir demain au coucher du soleil. Il est désormais grand temps d'abandonner nos animosités et de tous nous réunir sous la bannière de Dieu et de la liberté. Signé Thomas Tew. Tu paries quoi ? Thomas Tew, Henri Avery. Nos chers hôtes n'ont même pas pris la peine de nettoyer derrière eux. C'était vraiment pas très courtois de leur part. Ok, on reprend. Comme on pouvait s'y attendre, ils se sont mis tout le monde à dos quand ils ont voulu s'approprier le trésor. Ils se sont d'abord occupés des colons. Ensuite, ils se sont retrouvés face à face. Et c'est là que la situation est devenue... incontrôlable. Du coup, Avery et Tew les ont tous réunis là. Pourquoi déjà ? Pour abandonner nos animosités. Abandonner leur animosité. Pendant le dîner, Avery lève son verre et il trinque. Adieu et à la liberté ! Morbleu, ohé matelot, etc. Et ils boivent tous une gorgée. Sauf deux. Et comme ça, d'un coup, le trésor de Libertalia appartient dans sa totalité. À deux hommes. C'était les pirates les plus redoutés de l'histoire. Et ils sont tous morts. En un claquement de doigts. Ici, à cette table. C'est incroyable. Ouais. Je suis vraiment désolé. Désolé. C'est pas grave. Donc, étant donné que nos hôtes ne se trouvent pas ici, au manoir de Tew... On devrait aller faire un tour chez Avery ? Ouais. Allons-y. Ça va, je m'en sors. On se retrouve là-haut, alors.
Hey. Salut. Nate, le camion de Shoreline n'a pas bougé. Et nous sommes officiellement à l'intérieur de la maison d'abri. Oui, je le vois. Ouvre bien les yeux, hein. Du jour est ostentatoire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pas tué Thomas Tew? Est-ce que c'était son bras droit? Ouais, c'est exactement ça. T'imagines un peu être sous les ordres d'un psychopathe paranoïaque? Ça me rappelle mon premier boulot. Qui, le producteur de ton émission de télé? Non, mon manager au resto mexicain. T'as travaillé dans un resto mexicain? Mais c'était juste un job d'étudiant. Tu portais un sombrero? Enfin bref, mon patron, c'était un psychopathe paranoïaque. Te connaissant, je suis sûr que tu y étais un peu pour quelque chose. Me cherche pas, Nate. Regarde, les gars de Shoreline ont barricadé la porte d'entrée. Et ils ont laissé plein de traces de boue partout. Voyons où ils sont allés. Alors, où est-ce qu'ils sont passés, tous les gars de Shoreline? Ouais, c'est bizarre. Je m'attendais à croiser du monde ici. On dirait qu'ils se sont volatilisés. Tu vas pas commencer à croire que c'est des pirates fantômes. Non, je t'arrête tout de suite. Rigole pas. Encore des traces. Bingo. Ah, nous y voilà. Les empreintes continuent après la porte. Merde, c'est bloqué de l'autre côté. S'ils sont embêtés à barricader le passage, c'est sûrement que... Ils ont trouvé quelque chose. Aide-moi à ouvrir cette porte. Ouais. Merde.
Arrêtez!
Eh ben. Tout va bien ? Ça va. C'était une embuscade, ils nous attendaient. Ouais, t'as raison. Allez, ouvrons cette porte. Et voyons ce qu'ils ne voulaient pas qu'on découvre. Allez, on y va. T'es prête ? Excusez-moi. C'est quoi ? Bah, c'est une lettre. Elle a été écrite par Avery. C'est vrai ? Lila ? Mes loyaux sujets, alors que le soleil se lève sur notre glorieux paradis, nous devons nous efforcer de préserver ses richesses. Tue le traître connaît nos secrets et nous devons agir promptement. Détruisez le barrage, nettoyez New Devon. Et voilà. Et transférez mon trésor par le passage jusqu'à mon navire. Et se retourner l'un contre l'autre. Ne me dis pas que ça te surprend. Non, pas vraiment. Voilà. Merci. Allons trouver ce passage. Y a plus de traces. Elle s'arrête là. Ok, alors, où ils sont allés ? Des pirates fantômes. Hein ? Voyons de plus près. C'est hallucinant. Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? C'est une copie de la proclamation britannique ordonnant l'arrestation d'Avery. On dirait qu'il était très fier d'être l'homme le plus recherché du monde. C'est le briquet de Sam. Il l'aurait fait tomber ? Ouais, il l'a fait exprès. En tout cas, ce qu'on cherche doit certainement se trouver par là. Il y a forcément une autre sortie quelque part. Peut-être le passage dont parlait Avery dans la lettre. Et où est l'interrupteur ? Nate ? Ouais. T'as quelque chose ? Je crois bien que oui. Une énorme empreinte pile à l'emplacement de Libertalia, alors j'ai juste... appuyé. T'es trop forte. La lettre disait qu'Avery allait transférer son trésor dans son navire. Ouais. Est-ce que tu crois que le trésor est pour celui ? Je crois... Je crois que ça n'a plus la moindre importance. Et voilà. Sur la tête ? Ouais. Oh ! On dirait qu'Avery s'était construit une échappatoire. Ouais, je me demande où ça conduit. Ah, c'est pas vrai. On va bientôt le savoir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance. Ouais.
C'est bloqué. Regarde, des traces toutes fraîches. Ils sont passés par là. Ça fait un gros paquet de traces. On ferait bien d'être prudent. Merde. Ok. L'homme de Nadine à tous les coups. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour utiliser de la dynamite? Faut vraiment pas être malin pour en utiliser ici. Et encore, le mot est faible. Ah ah. T'as apporté des piles de rechange? Oui, oui. Mais elles sont au fond de l'océan. Je veux pas savoir. Je veux pas en parler. Allez, quoi? Voilà. Oh là, oh là, attends. C'est quoi? On dirait une sorte de guet-apens. Ouais, ça en a l'air. Apparemment, Sam et les autres ont réussi à passer. On a qu'à se fier à leurs traces. Oh. C'est pas autant. Surtout, ne marche pas là où il faut pas marcher. Quoi? J'essaie de me concentrer pour pas finir en morceaux, là, tu vois. Et on se détend. Elena, regarde. Les traces s'arrêtent là. Ça s'est sûrement effondré juste après leur passage. Viens, va falloir qu'on se débrouille pour libérer le passage. Ouais. C'est pas vrai. Faut trouver un autre chemin. Oh, tu vas pas t'arrêter maintenant. Eh merde. Allez, quoi? Bon sang. T'as toujours le briquet de Sam? Ouais, bonne idée. Allez. Allez, allez, allez. Évidemment qu'il est vide. Il a fumé comme un pompier quand on était sur le bateau. T'énerve pas, j'ai apporté des allumettes. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et voilà le travail. Ah, désolé. Deux secondes. Bonjour. Eh, hey, viens voir. Ça, c'est ma tête. Par là. C'est une chance que tu sois si prévoyante. Faut bien que quelqu'un le soit. Allez, viens, faut qu'on trouve un passage. J'aime bien cette ambiance romantique. T'as une drôle de conception du romantisme. Oui, je sais.
C'est mon signe. Je te fais la courte échelle? Ok. Allez. Ok, on y est. C'est bon. À toi maintenant. J'y vais. Merci. Attention la tête. Ouais. Fais attention. Wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est carrément flippant. Les bras qui m'ont volé. Eh ben, Harry fait même plus semblant d'être sain d'esprit. J'aime pas du tout cet endroit. Moi non plus. On fiche le camp. Que de sac. Mais regarde, Avery a laissé traîner quelques gibets. Ça se dit gibet. Quoi? En fait, ça se prononce gibet. T'es sûr? Ouais. Bon, comme tu voudras, madame, je sais tout. Gibet. C'est quoi ça? Une momie? Piège. Avery voulait vraiment pas que qui que ce soit mette les pieds ici. Fais gaffe où tu marches. Moi ? Mais c'est toi qui as marché dessus. Ok. Regarde où je mets les pieds. Oh merde ! Oh merde ! Est-ce que ça va ? Pour l'instant, ça va. Peut-être que je devrais pas trop m'approcher. C'est sûr. L'explosion qu'on a entendue. Ouais, pas étonnant qu'il y ait autant d'éboulements dans le coin. Hey Nate, j'ai trouvé un raccourci. Bon, tu sais que c'en est un. J'essayais d'être plus. Oh, d'accord. Putain. Cette salle-là aussi a été. Encore des mobiles humains. Eh merde. Bordel. Est-ce que tout va bien? Ouais, mais on peut plus passer par là. Oui, ça va! Ça va, je regrette juste de pas avoir pris des bouchons d'oreilles. Je crie, là! Bien, on a retrouvé la piste. Les traces vont dans ce sens. Prépare-toi à te battre. Je suis toujours prête. Attends, tu dis ça vis-à-vis de moi? Thank you.
Ces types devaient pas être très concentrés. Toujours aucune trace de Sam. On va le retrouver. Elena, baisse-toi! Good shot!